Je m'appelle Victorine, Lomata Victorine. Je viens du Congo, Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai habillé comme on habille chez nous. Ça, les pagnes. Avec des hauts comme ça. J'ai mis dans la tête. Ça, c'est. Tu sais, on a fait ça. C'est pour l'église catholique. Je l'ai amené ça, c'est le pilon. Les femmes et nous ont utilisé ça chez nous. J'ai pilé les bananes pilées, c'est ça que moi j'ai amené. Je l'ai apporté ici en France. À la maison, je pile. Fabrique ça à Kisangani. Ça, c'est bois noir. Je n'ai pas mis les peintures de quoi, non, c'est comme ça. Ça présente une femme. On a tréché les cheveux, comme ça. Et moi, j'appelle toujours Moseka. Voilà. Moseka, c'est une fille. Il y a des pilas ordinaires, mais ça, ça coûte cher. Quand mon père était chef de village, qu'elle était tombée malade, il y a des gens là, ils viennent, ils les gardent. Après ça, ils commencent à dessiner, au fer. Quand les jours pas finis, allez, ils décident. Mais chez nous, au village, des choses comme ça, des hommes ne peuvent pas les garder. Les filles, on ne le voit pas. Ils cachent. Quand tu fouilles une femme, quand tu fouilles, tu places ça, après, c'est pas bien. Toute la famille va décider. Au village, les grands messieurs, quand les gens décident qu'ils voulaient sortir ses têtes et les photos, comme les photos, statue, hein? On appelle la française, je ne sais pas comment on peut prononcer. Quand des jours qu'il a décidé qu'il voulait sortir, quand mon père était, son nom c'est Lomata. Quand il voulait sortir, parce qu'il cache une petite chose comme ça, il fait une mêla. Quand il voulait sortir, il veut les tam-tam, toutes les femmes se cachent, commencent à sortir, ils dansent avec. Ils dansent. Et quand c'est fini, il cache, allez, toutes les femmes vont sortir dans la maison. Mon rêve, quand j'étais petit, j'étais avec mes soeurs, ma mère, parce qu'on était 8 enfants. Moi, j'étais le 6e. J'étais toujours malade, malade, tout maigre, malade, malade. Mais moi, je n'ai pas voulu rester au village. Moi, quand j'ai grandi, je vais aller à la ville, là, je vais rester avec les blancs. Là, je vais faire lumière. Partout, pour mener à la voiture, c'est ça, mon rêve était comme ça. Quoi, moi, je suis... À Kisangani, je n'étais pas au village, hein. À Kinshasa, chez nous. Oui, quand j'ai quitté, à 10 ans, à 9 ans, ma soeur, on m'a appelé à centre-ville, Kisangani. Mais on était là bien, il y avait du bien. C'est là que j'ai raconté les messieurs. J'ai fait mon fils, le premier fils. Après, j'ai quitté la province, j'ai descendu à la capitale. Raymond, né le 10 septembre 1932 à Genteil, canton de Noyon. Je suis handicapé depuis l'âge de 7 ans, c'était le début. Les béquilles, je les ai pris, j'ai arrêté de marcher à 9 ans et 1 mois. J'ai pris les béquilles à 9 ans et 5 mois, quoi, disons. En juillet 1939, ma mère avait apporté 3 bassines pour que nous puissions, moi et mes deux frères, moins âgés que moi, puissent laver les pieds. Pendant que ma sœur, qui avait 2 mois, était à côté dans un berceau. Elle dit, mais on dirait que tu as une jambe raide. Mets-toi debout devant moi. Elle va chercher son maître à couturière. Il y avait déjà 1 cm, c'était peu. Hein. C'était le début, le début de la maladie, quoi. Ça, c'était en 41, ça. Pratiquement 2 ans après le début de la maladie. Un premier docteur, je ne me souviens plus de son nom, le deuxième, professeur Barbary, qui m'a expédié chez le professeur Dénéchaud, et le professeur Dénéchaud voulait m'hospitaliser.
Mes parents ont refusé. Passé une dizaine de jours à Angers avec mon père, chez des amis qui étaient de la famille, mais de loin, quoi. Et tous les matins, ils me conduisaient à l'hôpital pour le soir je revienne. Et un bon jour, il m'a déshabillé dans un couloir. Et là, je suis rentré dans une salle. Il y avait peut-être 150-200 personnes. Toute l'école de médecine d'Angers et tous les docteurs du département. C'était le professeur Dénéchaud qui expliquait ma maladie. C'était paralysie infantile, c'est ce qu'il se disait à l'époque. Et mon père était le long du mur, debout. Il n'y avait même pas une chaise pour lui. Et puis, bon, ben, quand c'était fini, beaucoup sont venus me tâter. Et puis, je me suis rhabillé. Et puis, au bout de 9 mois, ben, ça allait de pire en pire. Alors, c'est là que nous avons commencé à rencontrer le magnétiseur. C'est là où cette photo a été tirée. Hein, quand j'ai rencontré la première fois le magnétiseur. Et peu de temps après, j'ai arrêté de marcher. J'avais 9 ans et 1 mois, quoi. J'ai arrêté de marcher et les deux jambes remplies de plaies. Et là, je ne pouvais plus me déplacer du tout. C'était ma mère qui allait, avec une mèche de cheveux, tous les 2 ou 3 mois, voir le magnétiseur. Et vers mi-mars, j'ai pris les vitiques et j'ai recommencé à marcher. Je me suis éduqué tout seul, absolument tout seul, et personne d'autre. Et ma jambe était devenue comme ça. Ce que je me rappelle, un jour, il y a un groupe de femmes qui sont venues pour me voir, quoi. J'étais très mal, très mal. Et j'ai entendu une femme dire à une autre qui était à côté d'elle, il serait bien mieux mort que d'être comme ça. Ça, je m'en souviens, hein. J'étais dans mon lit, quoi. Bon, j'étais toujours avec les copains qui jouent au football, quoi. Puis un bon jour, il y a l'entraîneur de l'époque qui me dit, t'es toujours avec nous, je comprends pas, tu devrais être dans le bureau. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années, quoi, 21 ans. Et puis c'est tout. Et peut-être un mois après, il y a le président qui vient me dire, tiens, on t'a mis dans le bureau. Et ben, tu encaisseras les cotisations. Ça a commencé comme ça. Un jour, je rentre du travail et le directeur m'attendait à la porte du collège. C'était un 19 mars à la Saint-Joseph. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez manger avec les professeurs. Ah, mais pourquoi ? Ben, vous venez d'être élu dans le comité des anciens élèves de Saint-Joseph. J'avais 20 ans, 21 ans. C'était une activité. Et là, ben, je m'occupais de la trésorerie. Curieux, j'étais toujours dans l'argent. Je m'appelle Leïla. Je suis née marocain. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. Je vis en Italie 11 ans. Je vis en France pour mes enfants, pour la langue française, parce que la langue italienne ne fait rien au Maroc. Et je parle mon projet, la couture marocaine, ça il s'appelle le caftan. Il travaille avec le main. Et ça, il s'appelle Sfifa, comme le ruban. Et ça, il s'appelle la Qad, comme le bouton. Ça, est pierre. C'est fait à la machine, tout ça? Oui, il y a quelqu'un, il travaille avec la machine, il y a quelqu'un, il travaille sur le pot. Avec les mains, mais ça avec la machine. D'accord. Oui. Il se met ça à la fête de mariage, à la fête de Ramadan, à la fête de... Aïd. Oui, Aïd Kibir. Toutes les fêtes. C'est la sœur de mon mari qui fait ça pour ma fille. C'est ça, la photo de mon mariage.
tous les Marocains, ils font dans le mariage, ils s'amènent ça. Alors, je m'appelle Yvonne, je suis née à Angers. De métier, je suis infirmière diplôme d'État. Alors, moi, c'est un album sur le théâtre des années 50, 1950. Alors là, j'ai différentes photos. J'ai quelques-unes des scènes, des opérettes qu'on a fait. Et puis, j'ai des photos d'artistes. Que chacun m'a donné, voilà, alors des chanteurs, tous ceux qui passaient au théâtre, Armand Mestral par exemple, qui sont bien connus, ça c'est des photos de Perrette, un petit peu de tout, j'ai même des articles de presse sur les cours de danse qu'on avait, parce que on travaillait toute la journée, hein. Le matin on avait des répétitions, l'après-midi aussi, et puis le soir répétitions ou bien... ces séances. J'ai travaillé 8 ans au théâtre. J'étais choriste, voilà. J'ai travaillé d'abord aux impôts, mais comme je faisais du classement, j'étais jeune, c'était juste après la guerre de 1945. Le travail à cette époque-là, c'était plus facile à trouver. Ah oui. Alors j'ai commencé à travailler aux impôts. Là donc, on faisait du classement. J'avais 15 ans, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Alors, comme j'avais pris des cours de chant, je chantais, je suis rentrée au théâtre. Et j'ai fait 8 ans au théâtre d'Angers. Et oui, j'ai fait à peu près 30 opéras et puis 30 à 40 opérettes. L'aviation, donc de 71 à 79, où j'ai été licenciée que pour cause de restrictions personnelles. Oui, il n'y avait plus que le mécanicien et moi. Alors évidemment, le mécanicien, il était plus utile que moi. Hein. Voilà, et puis alors ça c'était, c'était ce qu'on voyait chaque jour, les avions qui se posaient, et puis voilà. Qui faisait escale, et puis alors ça c'est une partie de la fête du vol à voile. Donc vous me disiez que vous aviez passé votre brevet de pilote de planeur. Non, j'ai pas passé de pilote d'avion. Pilote d'avion. Pilote d'avion, et puis le planeur j'ai simplement fait avec Christian Ravel, les premiers pas, j'étais sur le point d'être lâché, et j'étais pas lâché. Je m'appelle Suzanne. Je suis angevine d'adoption et mayonnaise de naissance. Et je suis couturière, 2 enfants, 2 grands-enfants. Et arrière-grand-mère. Moi, c'est tout simplement une assiette qui n'a aucune valeur marchande peut-être, mais pour moi, elle en a beaucoup. C'était le service de vaisselle de mes grands-parents. Alors, il y avait les assiettes plates, les plats, mais moi, je n'ai que celle-là. Mais pour moi, ça me rappelle les années où j'allais en vacances chez eux. C'est tout simple. Heureusement que vous ne passiez pas la vaisselle. Hein. C'est pas de la porcelaine, remarquez, c'est de la faïence. J'étais l'aînée de 26 petits-enfants. Ah oui. Et c'était toujours moi qui étais la préférée, disons. Oui. Thank you.
m'appelle Bilect, je viens de Mongolie. Je suis entrée en 2008. J'ai 3 enfants, 2 filles, 1 garçon, il est 6 mois. Bon, j'amène le ocelet qui vient de mouton. Mouton. Donc chez nous c'est très très traditionnel. Bon voilà. Donc je présente tout chaque côté. Ouais. Donc cette côté c'est on dit chèvre. Cette côté c'est mouton. Et cette côté c'est cheval. Cette côté c'est chameau. Donc si c'est comme ça, ça on dit que vache. Donc c'est 5 animaux qui présentent cette ocelette. Donc c'est très traditionnel pour quand on est petit, c'est jouer ça. Donc développement son cerveau. Voilà, donc c'est plein de jouets, plein de joueurs, ou je ne sais pas comment dire, jouer. De manière de jouer. Voilà, manière de jouer, voilà. Et on joue avec combien? Comme vous voulez, comme vous comme jouez. Oui, par exemple, si on prend les quatre on jette. Oui. Si c'est quatre différents côtés, par exemple ça, on dit que c'est bonheur. Donc on a deviné le futur alors. Donc c'est, quand on pose là, c'est bonheur. On prend les, ben ça c'est normal parce qu'il n'y a pas de quatre différentes. Après, on joue tous les ocelettes, on prend, on jette. Même côté qu'on est fait comme ça, comment on dit, taper. Voilà, on prend, après on rejette. C'est ça même. Donc on fait comme ça. Comment il s'appelle le pichenette. Pichenette, voilà. Donc on prend ça, qui gagne beaucoup, on est gagné. Qui prend beaucoup, on gagne. Voilà, c'est plein de jeux. Est-ce qu'on les lance aussi comme ça sur la main, la paume ou le dos de la main? Non. Là, en fait, on l'attrape, on met dans la main. Ou aussi, on peut jeter quelque chose, on l'attrape, voilà, ça aussi. Mais par contre, quand on joue ça, en été, ça vient de Aroche qui est venu. Donc on n'a pas trop joué en été à la campagne. Hein. Voilà. Parce que c'est pour dangereux pour les animaux, c'est Aroche. Orage, pluie, ou qui, quand on joue ça, l'orage qui vient. Donc, ah oui, ça provoque de l'orage. Je sais pas, on dit, on entend ça, ah oui, donc on a. Les gens, ils disent que jouer comme ça, ça provoque l'orage. Voilà, donc on n'a pas joué très. On était. C'est la tique des arbres. Voilà. Marabout, ça. Comment? C'est du marabout. Qu'est-ce que c'est marabout? Je sais pas. Marabout, c'est de la sorcellerie. De la magie. Non, c'est pas sorcellerie. La magie. Voilà, ça c'est pour le cours de cheval. Tout ce qui est cheval qui montre ça. Mais ça c'est quoi? C'est les os des... Des os de mouton. De mouton? Des tarses. Ah. De derrière, pied de derrière. Pied. Les pieds derrière. Derrière. Arrière, voilà. Ah. Enfin, avant on n'a pas. Hein. Mais je, non, tout non, le monde c'est avec leur slide. Hein. Ouais. Bah, je ne sais pas, c'est même pas ou je ne sais pas pour les jambes. Ça c'est le marabout. Voilà. Donc après, ce jeu il se fait comment après? Ah, après c'est. Alors, si j'ai deux personnes, les deux personnes aussi choisissent son cheval. C'est meilleur ou petit ou je ne sais pas. Donc quand les quatre formes différentes ou les chevaux qui présentent, c'est monté. Si c'est deux chevaux, on monte deux. Un, deux. Voilà. Voilà, un, donc c'est un. Voilà, donc chacun c'est son tour. Voilà. Cours de cheval. Voilà, c'est ça aussi, c'est très très traditionnel de, parce que c'est on a Nadam, 11 juillet, qui fait vrai chevaux qui courent. Ah, course. Oui, mais pourquoi vrai, course de vrais chevaux. Pourquoi tu as gardé ça, tu l'as amené ça ici, tu fais quoi avec? Je fais quoi avec? Oui,
Bah, je fais jouer. Jouer avec mes enfants. Ah oui. Ouais. Pour mes enfants aussi. Je crois qu'elle a fait pour faire du marabout. Non, non, non. Ah non, je sais ça, je sais pas. Non, non, ça, c'est la question. Elle a peur. Mais c'est pas vrai. Donc, je m'appelle Ada, je suis française d'origine algérienne. Donc, voilà, et je travaille ici en tant qu'agent d'accompagnement, de corbeille d'argent. C'est vernis? Alors, c'est, non, c'est pas du vernis. Alors, donc, dans cet objet, alors je fais attention, il y a une poudre noire, et c'est ce qu'on appelle le kohl. Alors, le kohl, c'est ce qui sert à maquiller les yeux. C'est une poudre noire. Les Égyptiens... Donc les Égyptiens utilisaient ce... C'est pour ça qu'on les voit avec des grands traits noirs comme ça, les yeux. Mais les hommes. Les hommes, mais... les hommes aussi. On peut en mettre aussi aux enfants parce que ça sert aussi de... pour éviter les conjonctivites, les choses comme ça. À l'origine, donc, c'est une espèce de pierre. Hein. Donc de pierre qui est écrasée, et réduite en poudre. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, voilà. La base, c'est une espèce de roche noire, hein, mais après, il y a d'autres éléments qui rentrent. Est-ce que tu l'utilises, toi ? Alors, moi, celui-là, je ne l'utilise pas parce qu'il est très, très noir. Oui. Donc, si ça coule, forcément, voilà. Oui. On en a plein, voilà. Donc, celui-là est très, très foncé, donc je ne l'utilise pas. Il est mélangé avec de l'eau ? Non. Non, non. Ah non, non, non. Alors, voilà, je vais mettre dans ma main, mais enfin, je me lave les mains après, donc voilà. Donc, on prend ça, à l'intérieur, et on met entre les deux paupières, je ne vais pas le faire parce que je vais en mettre partout, et après on fait ça, et donc on en a... Voilà, et là j'en ai mis un petit voilà. peu. Là. Donc voilà. Je suis Yvette, je suis née à Louvigné-du-Désert, je suis vosgienne d'origine, et en Bretagne, angevine d'adoption. En Louvigné-du-Désert, c'est là où je suis née, et c'est là où on exploite et beaucoup le granit. C'était un métier très dangereux parce qu'il fallait faire exploser la pierre avec des mines et puis ça détachait des gros blocs de plusieurs tonnes, bien sûr. Et puis voilà, après, ben, sous ce qu'on appelait les baraques, les gars travaillaient à débiter en pavé des linteaux de portes, tout ça. Voilà, et jusqu'à la fin de la guerre, il y a eu beaucoup de travail parce que les Allemands en voulaient beaucoup pour refaire leur rue. Et puis après, ça a périclité petit à petit et maintenant, ça n'est plus exploité. Cette photographie, ça représente un déblayage, le remblai de carrière de granit et où j'ai dans le coin mon petit papa que je n'ai pas connu. J'avais 2 ans quand il est parti. Cette photo a été prise dans une carrière qui s'appelait Saint-Michel de Montjoie, dans la Manche, pas loin de Vire. Sur cette photo, il y avait mon père. Et un jour, bien sûr, quand j'ai été adulte et que j'ai réussi à passer mon permis de conduire à 47 ans, j'ai été visiter cette carrière. La photo, je ne me souvenais plus. J'ai vu un grand panneau. Et c'était plus fort que moi. Je dis, c'est mon père qui est là. Monsieur le maire, à qui j'ai demandé où il avait pris cette... Alors il m'a dit, j'ai une photographie à la mairie. Alors il me l'a prêtée et j'ai pu la faire reproduire. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Fofana Kemoko. Et je vais montrer ma photo de maman. Ah non, ça, j'ai oublié ça, mais ça. Ça, il est à côté de moi. Et toi, Mamadou ? Est-ce que tu peux... Tu as ton téléphone aussi ? Tu peux joindre ta famille au téléphone ? Tous les combien ? Et moi, 3 semaines. Toutes les 3 semaines ? Oui, souvent et moi. Je viens du Mali. 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 Tu viens du Mali et tu as quel âge ? 17 ans. À la prochaine fois, je vais ramener quelque chose. Et toi, Samy ?
Est-ce que tu as des choses? Tu viens d'où? De quel pays? Je suis d'Afghanistan. Et tu as quel âge? J'ai 16 ans. Depuis combien de temps qu'il est ici? Quand est-ce que tu es arrivé là? 6 mois. Moi, je reviens d'Afghanistan, là, ici, avec famille, ma mère. Après, moi, je reviens d'ici. Après, ma famille est partout aussi. Moi, je reviens d'ici. Après, ma famille est partout. Moi, c'est tout seul, là. Après, elle est tout seul, moi. Je reviens d'ici. Je m'appelle Aminata. Je viens arriver. Je suis guinéen. Guinée-Conakry. C'est mon beaucoup géré, c'est ma mère qui m'a donné ça. C'est ouais. Après, jeune, 15 ans, ça, c'est 15 ans, ma mère m'a donné avec un foulard. Mais aujourd'hui, je n'ai pas venu avec le foulard. Ça, c'est mon père. Et ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon famille aussi, c'est mon petite sœur. Ça, c'est les enfants de son fils. C'est personne telle, photo de ma mère. Il disparaît. C'est la photo de ma mère. Le fleur comme ça, c'est mon coutume, mon pays. Ouais. Mon père s'appelle Mohamed. Et ça, c'est mon père qui m'a donné ça. Ça, c'est l'Arsan. Rassan. Rassan, je ne sais pas le français de lui comment. C'est l'Arsan. L'Arsan ou l'Arsan. Je ne sais pas. C'est l'Arsan. Cette chanson à l'école, l'hymne à la paix, on a appris l'hymne à la joie et des choses qui étaient belles à l'époque.